Avant ce match, le handball Pays de Vannes reste sur une défaite en match aller de barrage pour une accession en pré-national à Saint-Renan, 30-22. 8 points de retard, un challenge difficile à relever, surtout pour un effectif jeune jouant le maintien la saison passée. On a connu l'émotion la dernière parce qu'on a failli descendre, on se battait pour la relégation. Là, c'est des émotions positives, mais pour un groupe jeune, on apprend aussi à les gérer et à gérer les fins de match, ce qui nous paye l'accession, je pense, cette année, quoi. Le HPV a cru en ses chances au cours de la première période, en comptant jusqu'à 4 buts d'avance. Mais la belle résistance de Saint-Renan a eu raison d'Evantet, qui sauve tout de même l'honneur par une victoire à domicile, 30-29. L'absence de joueurs clés du fait de blessures en cette fin de saison peut expliquer cette issue. Il y a quand même une condition, c'est qu'on a nos deux joueurs les plus forts qui ont été blessés coup sur coup en 2 semaines. Et ça, quand on retire ne serait-ce que le meilleur buteur de la saison complète en excellence région, déjà, bah, vous avez déjà une belle épine dans le pied. Si la montée n'est pas pour cette année, le HPV compte bien l'obtenir en 2016. Le club espère se renforcer. Un nouveau pivot et un arrière se disaient prêts à rejoindre le club en cas de montée en pré-national. C'est clair que si on était monté en pré-nat là, à cette fin de saison, pour l'année prochaine, on aurait eu des recrutements puisqu'on a, on sait qu'il y a des joueurs qui veulent venir jouer au HPV, mais pour jouer au moins en pré-national. Bon, est-ce qu'ils viendront quand même l'année prochaine? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Il faut qu'on les recontacte au vu du résultat de ce soir et on verra s'ils sont toujours d'accord pour nous rejoindre. Mais de toute façon, même avec les effectifs que l'on a, on est capable de viser la pré-nationale, voire plus pour les années qui viennent. La saison prochaine, la pré-nationale comptera 3 clubs morbihanais, Bologue-Minet, Plescop et le promu Auray.